Vendredi 12 août 2022, Good Singers fera son grand retour sur TF1. Alors que Jarry a quitté la chaîne, c'est Chris Marque qui va reprendre les commandes du jeu d'enquête musicale. Sur Instagram, le célèbre membre du jury de Danse avec les Stars a écrit en légende de l'affiche officielle de cette nouvelle saison, Tada. C'est officiel, désormais animateur sur TF1 et diffusion du premier prime de Good Singers le vendredi 12 août. Avec les copains Soprano, Denitsa Ikonomova, Florent Père, Chin, Amandine Petit et Jean-Luc Lemoine. Je suis trop content. J'espère que vous allez kiffer, j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Enfin, l'animateur a glissé, no stress, même animateur, je continuerai à distribuer des mauvaises notes les vendredis soirs sur TF1. Dans la section des commentaires, Chris Marque a pu compter sur le soutien de nombreux de ses amis, tels que Denitsa Ikonomova, Anthony Colette, Jean-Marc Généreux, mais aussi Karine Ferry. Les fans ont écrit quant à eux. La grande classe, bravo Chris, félicitations, c'est amplement mérité, je suis trop contente pour toi et me réjouis de tout cœur, ou encore, hâte de te découvrir dans ce nouveau rôle. En story, l'animateur a ensuite laissé éclater sa joie. Je suis trop content, j'ai hâte que vous voyiez l'émission, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je me suis éclaté à le faire, les équipes étaient super et ouais là c'est le petit stress. J'espère que vous allez kiffer, a-t-il déclaré. Jarry, pourquoi l'animateur a quitté TF1 ? Mercredi 13 octobre 2021, dans les colonnes du Parisien, Jarry avait confié quitter TF1 pour rejoindre France 2. La vie d'un artiste, c'est d'écouter ses émotions et de trouver du sens. C'est aussi d'être désiré. Et là, la direction de France 2 m'a dit, on te veut. Et elle m'a proposé une belle offre artistique. On a des projets de fiction. Je vais incarner un personnage récurrent. Cette période du Covid m'a fait très peur. Je n'étais pas en exclusivité avec TF1. Pendant un an, je me suis retrouvé sans rien. Aujourd'hui, France 2 me propose un contrat. Je trouve ça rassurant, avait-il indiqué.